Le nouveau dispositif MaPrimeRénov évolue au 1er janvier 2024. Que fait-il savoir et Vinergie vous dit-on? Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, devient obligatoire et est le point d'entrée du nouveau dispositif MaPrimeRénov. Celui-ci évolue en deux parcours. MaPrimeRénov décarbonation, le parcours chauffage renouvelable, et MaPrimeRénov rénovation d'ampleur pour effectuer une rénovation globale. C'est la fin des aides pour les travaux d'isolation seuls. Dorénavant, il faudra coupler l'isolation à l'installation d'un chauffage renouvelable ou d'un ballon thermodynamique pour bénéficier de MaPrimeRénov décarbonation ou passer par la rénovation globale. Pour cette dernière, les aides de MaPrimeRénov rénovation d'ampleur vont atteindre jusqu'à 90% du montant des travaux selon les revenus et le nombre de classes sautées. Il sera ainsi nécessaire de sauter au minimum 2 classes, d'effectuer certains travaux obligatoires et également d'être accompagné d'un accompagnateur Rénov. Pour plus de détails sur ces changements, rendez-vous sur revenergie.fr.